Retrouvez un épisode de l'histoire avec diffusia.fr. Par cette bulle papale de 1540, j'autorise la création de la Compagnie de Jésus. Et qu'ont-ils fait pendant ces 2 années ? Eh bien, dès avant la promulgation de la bulle papale, ils ouvrent la maison Sainte-Marthe à Rome pour accueillir les prostituées et un refuge pour les orphelins de Rome. Puis, les jésuites sont partis vers l'Asie comme François-Xavier ? Oui et non. Oui, ils sont partis, mais non, ils n'étaient pas jésuites en 1540. Le mot jésuite n'est apparu qu'en 1545. En Italie du Nord, on les appelait les prêtres réformés. Au Portugal, ils étaient des apôtres. À Goa, en Inde, on parle de paulistes. Et en Espagne, d'ignatiens. Alors ça, c'est énervant. Car j'ai toujours aspiré à la modestie. Et voilà que mes compatriotes créent ce mot stupide d'ignatien. Mais le mot jésuite prend le dessus. Et il est utilisé lors du Concile de Trente, qui se termine en 1563.